Donc là, il est 8h30, je viens de sortir. Donc là, je vais aller. Je viens de lâcher les poules, changer les lapins et tout. Donc là, je vais aller chercher trois poireaux. Ma mère en a besoin. Puis après, je vais ramener un peu de bois pour la cheminée. Donc là, j'ai quatre poireaux. Donc le poireau, il se trouve ici. Donc s'il y a des grillages, c'est pour pas. Parce que j'avais mis les oies à manger dans le jardin. Donc. C'est pour pas que les oies marchent sur les petits poireaux. Donc là, on peut voir les fraisiers et puis pas mal de gouttières. Donc là, on brûle pas mal de petits rondins comme ça. Donc cette grosseur là aussi. Parce que tout simplement, on a presque plus de bois. Donc vu cette année, on a démarré le poêle à bois d'avance. Et bah, le bois s'est vite brûlé. Donc là il y a encore un peu de frêne donc j'ai retrouvé dans le fond de la cabane. Donc on fait un peu de mélange comme ça. Donc le rondin petit comme ça moyen, ça brûle vachement bien. Par contre faut en mettre toutes les demi-heures, faut en mettre une petite poignée. Donc bon, ça quand c'est des petits bouts qui sont fendus en petits bouts comme ça, ça va, ça brûle bien aussi. Puis le frêne dans l'ensemble ça brûle bien aussi. Donc voilà pour la charte de bois. Donc là c'était du bois qu'on avait fait il y a environ 5 ans. Donc on avait broyé ça au petit broyeur Alco, broyeur électrique. Mais là avec le broyeur au cul du tracteur, ça passe dedans. Donc on en garde quand même pas mal pour faire un mélange. Mais dans l'ensemble on passe tout dans le broyeur. Donc voilà. Donc là, je regarde aux endives en même temps. Donc on peut voir qu'ils sont assez belles. Donc on va, je pense, je vais bientôt en couper pour en manger. Et puis là aussi. Donc je recouvre d'un papier journal. Donc pour qu'il y ait de l'air qui passe. Et je pose juste un petit bout de bois comme ça pour pas que le journal tombe ou s'envole. Donc là, c'est dans la cave, donc il fait assez frais. Je remets ça là. Puis là, si j'ai un rondin à côté du bûcher, j'en mets un rondin dessus et voilà. Donc on peut voir que l'huile, il y en a pas beaucoup. Donc je vais en remettre un peu. Donc j'ai mon chiffon qui est dans le tracteur, je vais essuyer. Et pour le fioul, c'est bon. Et l'eau aussi. Donc le plateau est là, il n'y en a pas pour long à l'atteler. Donc voilà. Donc là on se dirige vers le champ, donc à travers le champ il est là-bas. Donc je vais par les petits chemins. Donc mon père est parti avec le cormique et le plateau par la route et on va se retrouver au... des toits de bois là. Donc là le tracteur, les branches sont rangées comme ça pour de faciliter à mettre ça dans le broyeur et le plateau est presque plein. Donc là on vient de finir de broyer le coin là, donc je vais tantôt, on va peut-être ramasser le bois ou demain, on verra. Donc là le plateau est presque plein, on va le compléter avant de retourner à la maison. Du coup il nous reste juste là-bas à partir du bâtiment là au bord de la route. Rapide.
13h30, j'ai posé le tracteur à l'entrée du champ avant de manger, donc à minuit. Donc là j'ai repris la serpette parce que j'ai ramené une branche que j'avais pas coupée au champ, vu que le soir j'y retournais en vélo mais j'avais pas la serpette. Donc le plateau est là. On a remis 3-4 bouts de bois dedans et du coup je vais décharger ça. Du coup bah c'est bien rempli, donc en plus j'ai tassé parce que je dis on va pas pouvoir tout mettre. Donc du coup il y a 5 bouts de bois en tout. Donc là la branche, celle-là, il faudra que je la coupe. Donc je vais couper ça et puis je vais en faire un petit tas, comme ça je vais porter ça au broyeur. Puis après je vais décharger ça. Donc voilà. Donc il y a un premier plateau qu'on a repoussé là, que j'ai presque pris entièrement, mais du coup pendant qu'on avait la fourche on a repoussé là pour bien benner. Puis hier les branches qu'on a chargées, donc on a repoussé là, et puis le copeau je vais benner ça là le long du tas. Donc là bah j'ouvre le cul pour vider. Et là je vais lever tout doucement. On est le plateau tout doucement. Donc c'est bien propre. On remet la fourche dedans. Donc là, le champ où on était ce matin, c'était un champ du même agriculteur où on a pris les branches de la semaine dernière. Et là, on va s'en aller sur une haie. Un peu en dessous de chez nous, donc je crois que c'est une haie pour la commune, donc j'ai l'autorisation du maire, donc voilà, pour récupérer les branches. Badaboum. Donc moi je vais reprendre le Yanmar et le broyeur, puis mon père va aller avec le tracteur par la route. Il y a un petit chemin qui relie où on va aller, donc moi je prends le petit chemin. Donc voilà, là c'est redescendu et on y va.